à tous. Donc aujourd'hui, ouverture d'une serrure tubulaire 7 goupilles. Alors, un entraîneur du commerce et un pic dont le bout est cassé. Voilà, donc j'avais des problèmes pour ouvrir cette serrure tubulaire goupille par goupille avec cet outil, jusqu'à temps que je me rende compte qu'en fait il fallait appuyer un peu au centre de la serrure pour décrocher un peu les goupilles, hein, ce que j'ai fait au tout début du crochetage, voilà. Donc après palpage alterné sur les goupilles, et on appuie sur les goupilles donc ils sont un peu durs, hein. Alors c'est un peu discret, mais bon, là j'ai une ouverture, mais je pense que toutes les goupilles n'étaient pas à leur place, hein, puisque là c'était un peu rapide. Normalement c'est beaucoup plus long, bon, donc on va continuer pour faire le tour complet. Vous allez voir que ça sera beaucoup moins rapide normalement. Voilà, donc on palpe alternativement, et comme pour un cylindre classique, hein, on revient sur les goupilles qui sont les plus dures. Alors on n'a pas des placements francs, mais quand une ou deux goupilles se mettent en place, on a quand même une petite avancée au niveau de l'entraîneur. Hein. Voilà. Et donc je reviens principalement sur les goupilles qui sont les plus dures au départ, donc qui accrochent un petit peu. Hein. Voilà, comme celle-ci, on appuie, voilà, effectivement elle accroche bien. Voilà. Bon, c'est pas pour ça qu'elle sera en place, hein, mais au moins on l'aura peut-être descendu un petit poil. Et donc on attend que les goupilles suivantes durcissent à leur tour. Hein. Voilà, celle-là est toute molle. Celle-là aussi, donc je reste sur mes trois de l'autre côté. Alors parce que il faut savoir que sur ce genre de serrure, hein, une fois que vous avez décalé d'un coup, d'un cran, il n'y a plus que 6 goupilles à crocheter. Hein. La 7e, la passive de la 7e est derrière la garniture de la serrure, enfin derrière le rotor, donc il n'y a pas besoin de la crocheter. Donc c'est plus rapide. Voilà, donc je poursuis sur mes trois de la partie gauche. Jusqu'à temps que j'ai une petite avancée et que les trois, une des trois de la partie droite durcisse. Voilà, je crois que ça commence. Voilà, c'est pas mal. Là ça bouge pas. Donc il y a une de l'autre côté qui ne va pas être tout à fait en place encore. Donc pour l'entraînement, hein, on est assez ferme, hein, parce que dans celle-là, j'ai pas la clé, hein, mais elle est assez dure à faire tourner, donc pour l'entraînement, il ne faut pas hésiter à lui mettre dans la gueule, hein. C'est pas un problème. Alors quand les goupilles sont en place, hein, elles ont un très petit débattement par rapport à... voilà, là j'ai une bonne avancée, là aussi. Ça va pas tarder, il m'en reste une normalement. Voilà, pour le pire final.